Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 26 juillet 2022 est de 113 gourdes 49,03 pour 1 $. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 117 gourdes 31,27 pour 1 $. À la clôture du marché le lundi 25 juillet 2022, le baril de WTI était à 96,70 $, soit une hausse de 2,1%. Voici les 5 premiers postes de dépenses du budget 2021-2022 qui se terminent le 30 septembre prochain par ordre croissant. Le service de la dette publique 33,4 milliards de gourdes, ce qui représente 15,8% du budget. Les subventions au secteur de l'énergie 27,6 milliards de gourdes, soit 13,1%. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle 27,6 milliards de gourdes, soit 13,1%. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique 19,9 milliards de gourdes, soit 9,4%. Et enfin, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications 16,9 milliards de gourdes, soit 8% du budget. Du 10 au 16 juillet, 251 000 personnes aux États-Unis ont fait une demande d'allocation chômage, soit 7 000 de plus que la semaine précédente, selon les données du Département du Travail publiées jeudi. C'est bien plus que les attentes des économistes qui tablaient sur une baisse à 240 000. Au total, près de 1,4 million de personnes touchaient une allocation chômage au cours de la semaine du 3 au 9 juillet, en hausse de 51 000 sur une semaine, selon des données publiées avec une semaine de décalage. Fin de la rubrique Profinfo. Merci de votre écoute. À demain. Profinfo, une courtoisie du groupe Profin.